Il y a très très longtemps, nous nous sommes installés sur la pointe Sainte-Anne. Mais malheureusement, nous avons été dérangés. En 1950, nous sommes revenus dans la région pour travailler au moulin de textile côté nord. Au gouvernement côté sud, ou pour aller étudier à l'école normale. C'est quoi ça l'école normale? C'était un collège qui formait les enseignants francophones et anglophones de la province. Bonjour, Madame Marguerite Michaud. En 1958, c'est la fondation du cercle français. L'élection de Louis J. Robichaud, premier ministre acadien de la province du Nouveau-Brunswick en 1960. Nous sommes encore plus nombreux à venir nous installer à Fredericton. Ça nous prend une école française. C'est l'ouverture de l'école primaire bilingue de Fredericton qui est une école privée dans le vieil édifice des Chevaliers de Colombes en bas de la rue Regent. Il y a 22 élèves de la première et deuxième année. 1967, nous déménageons notre petite école dans les baraques de la caserne militaire Paris-Woodstock. Maintenant, il y a 72 élèves et quelques rangs. En 1971, l'école Sainte-Anne éménage dans l'école Montgomery. 1978, ouverture du centre communautaire Sainte-Anne de l'école Sainte-Anne au 715 rue Priestman. 392 élèves de la première à la douzième année. 1992, 821 élèves de la maternelle à la douzième année. 2005, 1041 élèves de la maternelle à la douzième année. 2007, il y a trop d'élèves, il y a des classes mobiles partout. Il est temps de nous séparer. Au revoir les élèves de la maternelle à la cinquième année. Bonne chance aux écoles de professeurs. Aujourd'hui, l'école Sainte-Anne est une école de la 6e à la 12e année. 3 membres de la direction, 47 enseignants, 16 assistants, 10 membres de soutien et plus de 625 élèves provenant d'une trentaine de pays. Elle se démarque par son multiculturalisme, son implication communautaire et sociale, son volet culturel, sans oublier le sport, évidemment. Merci à tous ces hommes et femmes visionnaires qui ont travaillé à l'implantation et au développement d'une éducation de qualité pour les francophones de la capitale. Marguerite Michaud, Rodolphe Chiasson, Alire Cormier, Florine Chenard, Alonzo Cormier, Léonce Chenard, Camille Chiasson, Magella Saint-Pierre, Yvon Boudreau, Léopold Gauguin, Roger Beaulieu, Azaria Doucet. Bibliographie. École Sainte-Anne, une histoire à raconter, de Denise Clavette en 2003, et Une présence qui s'affirme, de Greg Alain et Maurice Basque en 2003. Mmh.